Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Salut tout le monde. Avant de démarrer cette vidéo de POV pour voir ma prise de photo en temps réel dans la rue, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Sony et la Fnac. Un grand merci à eux de m'avoir donné cette opportunité de tester le Sony A7 IV dans la rue, comme j'aime le faire, d'avoir cette liberté créative. Franchement, c'était un gros kiff. Vous allez voir, je me suis vraiment régalé. Petit disclaimer, j'ai fait une erreur, une grosse erreur d'inattention. Ils m'ont donné le boîtier et je suis quasiment aussitôt allé dans la rue pour shooter. De façon naturelle, j'ai oublié de me plonger dans les réglages pour essayer de voir si tout était bien en place. Et j'ai shooté toute la soirée avec les photos au format JPEG. Malheureusement, j'aurais préféré shooter en RAW. Vous allez voir que malgré ma connerie, malgré le fait que ce soit pris beaucoup de nuit, la qualité des photos reste quand même très très bonne. Donc écoutez, tant mieux, c'était mal pour bien, ça m'a permis de tester. J'ai corrigé ça pour le lendemain matin parce que j'ai aussi shooté le lendemain matin. Les photos du matin seront non pas publiées sur cette vidéo, mais seront publiées sur mon profil Instagram et Twitter. Donc je vous invite à aller vous abonner, ce sera fait. Je vais essayer de vous donner les specs du boîtier au fur et à mesure de la vidéo en voix off. J'ai essayé de commenter un peu ce que je fais. N'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce boîtier. Vous posez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Je vais malgré tout essayer de passer en revue les plus grandes nouveautés, les choses qui pourraient être les plus intéressantes pour vous. 33 mégapixels pour vous donner un ordre d'idée. Sur le Sony A7 III, c'est 24 mégapixels. Sur le Sony A7 S3, c'est 12 mégapixels. Donc autant vous dire que 33 mégapixels au travers du Sony A7 IV, ça fait vraiment la différence pour ceux qui cherchent la polyvalence entre photo et vidéo. Le Sony A7 IV, il a vraiment des atouts en sa faveur. Un gros gros plus, alléluia, enfin, avec le Sony A7 III, franchement, je sais pas vous, moi ça me prenait la tête, je faisais beaucoup de vlogs, l'écran n'était pas orientable. Sur le Sony A7 IV, c'est fait, il est orientable et tactile, vous allez le voir, on va le tester dans la vidéo. Ça sert pas que pour le vlog, ça sert aussi pour la photo, notamment pour certaines prises de vue en perspective plutôt proche du sol, ça je vous le montrerai vraiment tout à l'heure. Le boîtier filme en 4K 60 fps, pareil pour le Sony A7 III. Avant j'étais obligé de filmer en 1080p pour avoir du ralenti, ou maintenant avec le Sony A7 IV on peut filmer au ralenti en 4K. Ça c'est vraiment un gros gros plus. La très grande nouveauté, pareil je vais le tester dans la vidéo, vous allez voir, c'est l'autofocus qui est très rapide et qui est surtout axé sur l'œil, que ce soit sur les humains, les animaux, mais surtout les oiseaux. Incroyable, il y a un suivi de l'œil qui est impressionnant, même de profil. Lorsqu'on fait du run and gun comme moi, comme j'ai pu le faire ou que je le fais souvent, on a pas forcément des fois le temps ou l'opportunité de se mettre en manuel focus pour suivre le sujet, parce qu'il y a des choses, des fois il faut être très rapide et pour pouvoir captiver quelque chose qui peut être intéressant. L'autofocus qui est basé sur l'œil permet de captiver de suite le sujet qu'on a repéré nous à l'œil nu, et ça permet de pouvoir shooter de façon discrète et de façon vraiment run and gun, tchac tchac et tchac tchac. Et voilà quoi, vous m'avez compris. Rien que par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a déjà un level up entre le Sony A7 III et le Sony A7 IV qui fait pencher clairement la balance. Je perds pas plus de temps, je vous amène avec moi dans la rue pour aller shooter. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube, ça me permet d'avoir du soutien de votre part, de développer ma chaîne. Et si jamais vous aimez ce format de type POV, j'en ai plusieurs en stock, je les mettrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo, ça me permet de me développer. Merci à ceux qui s'abonneront aussi à la chaîne YouTube. Sachez que toutes les photos que vous allez voir dans la vidéo ont été éditées avec mes presets Lightroom qui ont servi de base. Donc vous retrouvez le lien en description de tous mes presets si jamais ça vous intéresse. On se donne rendez-vous dans la rue, c'est parti, enjoy et à tout à l'heure. Allez, c'est parti, nous voici dans la rue. Je suis équipé du Sony A7 IV sur lequel j'ai adapté mon objectif 85 mm G-Master ouverture 1.4 de chez Sony. Et je rejoins mon ami Laurent qui va m'accompagner dans cette sortie photo. Comment il va le chef, hein? Ça va prêt? Ouais. Dis bonjour à la caméra. Fais gaffe en vrai, mais... En vrai, ça se voit pas si tu regardes. Ouais, mais quand tu me vois arriver comme ça, tu vois un peu ça quand même.
Ouais, tu peux regarder, tu fais tiens, c'est moi, c'est chelou, tu vois. Ouais, mais au moins là, tu vois que je fais un beau b-roll sur toi, là, tu vois. Là, tu fais, c'est un beau b-roll. Ouais. Le plan, on va rue de l'université. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Là, c'est juste à côté, on va faire 2-3 plans, ça va, ouais. Lifestyle. Vas-y, on commence comme ça. Pour démarrer le programme, on se retrouve à la rue de l'université pour démarrer les photos. T'as une idée ? Hein ? T'as une idée ? Je vais utiliser les petites lumières qu'il y a derrière toi, là. Il y a un profil que tu préfères ou pas ? Ok, on regarde un peu le balcon là-haut, ouais. Donc là, vous voyez l'avantage d'avoir un autofocus, ouais, avec cool. Suivi de l'œil, c'est très très réactif et c'est hyper performant de face comme de profil, donc ça me permet d'aller très très vite. Ah, le suivi de l'œil là, mec, c'est ouf. Si tu veux un peu plus lifestyle, ouais. Là, ça fait comme un arceau au-dessus de toi, là, c'est pas mal, ouais, franchement. Cool. Ouais, j'aime bien. Mais toi, la mène à le col. Comme ça ? Ouais. Ouais, il est même. Non, pour genre, tu sais, donner un côté bad boy. Donc là, on peut voir, ça me permet d'enchaîner plein de photos différentes, d'essayer des compos, d'essayer des postures différentes sans avoir à me soucier de la mise au point. Ouais, je vais voir. Il y a un clip de rap. Hein ? Il y a un clip de rap. Avec les bokeh derrière. Là, c'est comme tu testais le truc. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Avec le petit. Ouais, tu vois, attends, c'est après que ça fait un arceau autour de toi. Ouais, ça fait le. Quand tu t'attends, ça fait un joli art de cercle. Donc voilà, on a enchaîné pas mal de prises différentes en attendant que la nuit tombe. Une fois la nuit tombée, j'ai essayé de faire une composition un peu différente avec une gouttière en foreground, c'est-à-dire premier plan. Et à un moment donné, il y a eu une petite lumière verte, je pense que c'est le passage piéton, la lumière du passage piéton qui s'est illuminée. Je me suis fait un petit kiff dans les edits. Ensuite, vous pouvez le voir, j'ai testé l'écran orientable tactile qui est un gros plus, franchement, pour faire des perspectives près du sol. Là, au moins, je peux voir ce que je fais, je peux toucher avec le doigt pour faire la mise au point. Et c'est encore une fois, c'est un gain de temps et un confort d'utilisation qui n'est pas négligeable. C'était pas mal avec un joli arrondi au-dessus, là, un joli bokeh derrière. Et le suivi de l'œil, mec, il est incroyable. Des visages de loin, je t'ai refait. Tu l'as eu ? Ouais. Embrassez-vous, bordel. J'espérais qu'il y en ait qui s'embrassent, ce n'est pas arrivé. Mais j'ai quand même pu capturer des petits instants qui me plaisaient bien. Du coup, on a changé de spot pour essayer d'aller faire des photos ailleurs. Putain, avec les filtres là, mec, le Black Promised. T'en as pas, toi, un filtre brouillard ? Mec, c'est la folie. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, gros kiff avec mon filtre diffuseur que j'ai tout le temps sur mes objectifs. Ça donne un côté très cinéma. Sur toutes les lumières, vous pouvez voir ce côté diffus, ce côté brouillard. Si ça vous intéresse, je mets un lien d'affiliation direct dans la description. Ouais, tu te sens guidé par ton besoin de tout rentabiliser. Là, j'ai pas le droit à l'erreur, il fallait vraiment que l'autofocus soit réactif et réponde à mes attentes directes. Ah oui, et surtout que quand tu penses au format Insta, ouais, bah c'est ça, tu pourras cropper, ouais. Pareil, encore une fois, avec cette fille qui est prise en photo, je me suis permis de la prendre en photo sans qu'elle s'en rende compte parce que mon autofocus est très réactif, parce que j'avais suffisamment aussi de distance grâce à l'objectif 85 mm. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en bas là, c'est ça ? En bas, c'est ? Grâce à la réactivité de l'autofocus, je vais pouvoir rentrer vraiment dans l'intimité de certaines personnes et d'avoir une mise au point qui réussit. Et parce que vous allez voir, c'est très gênant. Souvent, les gens me regardent, les gens voient que je les prends en photo et. Et si j'ai pas cette réactivité avec l'autofocus, mes photos seraient ratées. Quoi. No, it's okay. Vous retrouverez tous mes presets dans le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ouais, tu refais, j'ai eu un joli moment tendresse là. Ouais. Oui, t'as le Darien en fait. Ouais. C'est juste qu'il manque. Tu crois qu'on les voit d'en bas là ? Il faut savoir que toutes ces photos, quasiment toutes ces photos ont été prises avec une ouverture à 1.4, ce qui veut dire qu'il y a une meilleure luminosité bien entendu, mais c'est surtout aussi que la mise au point est très réduite, la zone de mise au point est très réduite, c'est pour ça que on peut voir que sur toutes les photos que je vous montre, la mise au point est quasiment réussie à chaque fois au détail près. Et c'est là que c'est bluffant parce que nous sommes en basse lumière quand même, il faut pas l'oublier. Sony A7 IV se défend vraiment très très bien face à cette contrainte de basse lumière et de mise au point.
J'en ai profité ensuite pour tester le format vidéo avec l'enregistrement en 4K que j'ai mis en 50 images par seconde pour essayer de voir un peu ses compétences. Entre la qualité d'image avec le Sony A7S3 et le Sony A7IV. D'ailleurs, on peut noter que cette uniformité est présente avec les différentes caméras de chez Sony, que ce soit le FX3, le Sony A7S3, le Sony Alpha One ou là, en l'occurrence, le Sony A7IV. La double stabilisation d'image mécanique plus l'électronique active permet d'avoir une image suffisamment stable avec un ralenti pour faire des vidéos à main levée. Donc ça, c'est encore une fois pratique pour du run and gun et ne pas s'encombrer avec des stabilisateurs lorsqu'on est en voyage ou dans une simple sortie photo vidéo. On est autour de la tour Eiffel, on est très vite limité en termes de photos possibles. C'est pour ça que j'essaie de varier les sujets, varier les compositions, varier les perspectives, de tourner un peu autour de la tour Eiffel et de me dire qu'est-ce que je peux créer de différent autour de la tour Eiffel, de ce que j'ai eu l'habitude de faire ou de ce que j'ai l'habitude de voir. Oh pardon monsieur. Vous voulez que je vous envoie par email ? L'avantage encore une fois du filtre diffuseur que j'utilise, c'est de pouvoir s'éclater avec les lumières dès qu'il y a un lampadaire, dès qu'il y a une source lumineuse, ça ajoute vraiment un vrai plus, une atmosphère que j'apprécie sur les photos. Je pense que vous avez remarqué depuis le début, je fais beaucoup de photos. Lorsque je suis en street, je fais beaucoup de photos tout simplement parce que déjà j'essaie de varier les prises de vue, les compositions, les perspectives. Mais c'est surtout aussi que quand il y a des sujets qui sont présents dessus, la moindre fraction de seconde peut faire rater la photo ou à l'inverse peut faire réussir une photo. C'est pour ça que j'essaie de multiplier les prises. Il suffit qu'il y ait une mauvaise posture, un mauvais mouvement de bras, un mauvais mouvement de jambes, qui est, si je veux capter un regard, qui est les yeux fermés, qui est une mimique, quelque chose qui me plaise pas, et le fait de faire plus de photos, ça me permet de maximiser mes chances d'avoir une photo à hauteur de mes attentes. Après voilà, une fois que j'ai capté un sujet, que j'ai capté une scène, j'essaie de tourner autour, d'ajouter des éléments en premier plan, de choisir où c'est que je veux ajouter mon sujet pour raconter l'histoire, voir qu'est-ce que je place en arrière-plan, quels sont les réglages que je veux apporter pour soit mettre le sujet en totale immersion dans la photo ou tout simplement le fondre davantage dans le décor. Ça y a un suivi automatique fait directement. Ce que j'aime dans la street photo quand je le fais, c'est que c'est vraiment au feeling, je me balade, je marche le boîtier à la main et je vois s'il y a des sujets qui m'intéressent, s'il y a des perspectives qui me plaisent, s'il y a des histoires donc qui se passent autour de moi, okay, merci, et que j'ai envie d'immortaliser, s'il y a des scènes que je veux mettre en avant, des scènes qui attirent mon attention et que j'ai envie de capturer au travers du boîtier. C'est le cas par exemple avec ce couple qui était là en train de commander des barbes à papa, je trouvais ça vraiment trop cool parce que j'aimais beaucoup ce côté un peu à l'américaine avec les néons et ce côté barbes à papa, le couple qui était là en mode garder ce côté insouciance du premier encart alors que je ne sais rien de ce qui se passe entre eux, mais j'aimais bien cette atmosphère, c'est pour ça que je me suis permis de faire plein de photos d'eux pour avoir au moins une ou deux qui allaient me plaire. Je me suis ensuite rapproché du vendeur pour utiliser la fenêtre comme framing pour avoir un cadre dans l'image. Ça m'a permis de faire une composition qui me satisfait vraiment beaucoup. Je suis très content de ces clichés avec les petits reflets dans la vitre et le petit regard sur la première photo du commerçant. Franchement, j'étais bien content d'arriver à captiver ces instants de vie. On est retourné dans les rues proches de la tour Eiffel. Je me suis rapproché de ce café qui était plutôt joli, avec plutôt jolie devanture et des jolies lumières. J'ai vu cet homme tout seul assis à une table. J'ai fait une photo, je trouvais que ça racontait vraiment une histoire. J'ai réalisé qu'une fois en post-prod que ma mise au point était ratée, ce qui est dommage parce qu'il y avait vraiment un truc qui avait attiré mon attention. J'ai ensuite enchaîné avec ce groupe d'amis derrière la vitre. J'aime beaucoup utiliser les reflets et les vitres pour créer de la distance avec les sujets. Pour terminer, on s'est rendu sur ce pont, un pont avec une vue assez panoramique, je dirais presque à 360 degrés, beaucoup de lumière, beaucoup de sujets, d'instants de vie, ce qui m'a permis de capturer pas mal de photos différentes pour terminer cette sortie. Il a deux doigts de lâcher le pont là, non ? On a deux doigts de passer au travers là, non ? L'avantage du 85 mm que j'ai utilisé tout au long du shooting, c'est de
qui m'a permis de garder une distance assez importante entre le sujet et moi. Parce que très généralement, dans la street, il faut entrer dans une zone d'intimité avec les sujets. C'est pas toujours confortable, et pour les gens, et pour le photographe qui les prend en photo. Alors généralement, avec la street, on utilise plus facilement des petites focales parce que ça ajoute du charme, le fait d'entrer physiquement dans l'intimité de ces personnes pour les prendre en photo. Ça ajoute du charme à la photo, ça ajoute de l'histoire et de la valeur aux photos. Mais j'aime bien aussi le côté du 85 mm pour déjà garder cette distance, de ne pas être repéré. Surtout quand on a une caméra action cam sur le torse et qu'on est très repérable. En l'espace de quelques heures, j'ai pu faire pas mal de photos, j'espère qu'elles vous plairont. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que vous avez kiffé de voir un peu le behind the scene de quand je pars shooter dans la rue, de comment je fais, quelles sont mes perspectives, les choses qui attirent mon attention. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à mettre un like et vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Ça m'aide vraiment beaucoup, un grand merci à ceux qui vont le faire. Je vous rappelle que toutes les photos ont été retouchées avec mes presets en tant que base. Je vous ai mis le lien en description si jamais ça vous intéresse, il y a plusieurs packs de presets. Encore merci à Sony et la Fnac d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir donné l'opportunité de tester le Sony A7 IV. Sincèrement, en ayant eu le Sony A7 III, le Sony A7 IV est vraiment un level up du Sony A7 III. Pour tous ceux qui cherchent la polyvalence entre la photo et la vidéo, si jamais vous hésitiez de passer le cap, j'ai été conquis en l'espace de quelques heures. Si vous voulez voir toutes les photos que j'ai pu prendre, j'ai fait quelques photos le lendemain matin au Sunrise à Paris avant de reprendre le train pour rentrer à Bayonne. Si jamais ça vous intéresse de voir ces photos, je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur Insta ou sur Twitter pour découvrir ça au fur et à mesure. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce format, si jamais vous avez envie d'en voir d'autres, si jamais vous avez des questions, des suggestions. On est là pour discuter. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À très vite. Ciao, ciao. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Let's go! Ça, je ne mettrai jamais. On va essayer de faire rentrer ça maintenant dans une vidéo. Dans la vidéo. Tranquillo, tranquillo, quoi. 17 minutes de record. Putain, mais je vais faire rentrer ça comment dans la vidéo? Autour de Paris, ce qui se passe. What the f*** are you doing, man? Let's go!